kacangnya. Venir à l'état sauvage, porter les forces des parages, sentir le goût des saccages, sentir le vent qui se déchaîne, battre le sang dans nos veines, sentir le son des guitares et le bruit des motos qui démarrent. Il suffira d'une étincelle, c'est rien d'un geste, il suffira. Et d'un mot d'amour pour allumer le feu et faire danser les dames et les jeunes. Allumer le feu et faire danser la flamme dans nos yeux. Cabaret. Une petite partie de notre spectacle. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Il me reste le plaisir de vous présenter mes artistes, mes danseuses. S'il vous plaît, on commence avec Mademoiselle Muriel. La chorégraphe du spectacle, Marie-Hélène. Notre rookie, Mademoiselle Ruby. Notre métisse, Mademoiselle Élodie. Et Mademoiselle Virginie. Pour la partie live, s'il vous plaît, tout le talent de Lola Moon. Et Monsieur Kylian Arthur, le grand et talentueux artiste. Merci beaucoup. En compagnie des Miss. On se retrouve, si vous le voulez bien, le... Manifestation. Merci d'avoir donc agrémenté notre spectacle, nos passages des candidates avec les artistes que vous aviez choisis. Et également, bravo pour l'organisation des places, la buvette, etc. Et tous les cas, voilà, merci à tous les bénévoles. Monsieur le maire, je vous laisse le mot de la fin. Je vous remercie. C'est une très belle soirée à laquelle nous avons assisté avec des jeunes filles pleines d'élégance, de grâce, de beauté. Le choix a été difficile, mais le public et le jury l'ont fait. Donc félicitations à vous toutes. Félicitations aux organisateurs, aux organisatrices, à Madame Chevrier, bien sûr, à vous-même, Madame Podosenov. Et bel été à toutes et à tous. Merci, Monsieur le maire, Kevin Luciano. Et bien, on va faire ça dans l'ordre, bien évidemment, comme je viens de le préciser. Quatre dauphines pour encadrer notre gagnante de la soirée. Tout d'abord, bien évidemment, toutes nos participantes auront droit à une jolie rose. Et puis, bien évidemment, comme vous le voyez, plein de bouquets de fleurs vont être donnés, on va dire, non pas au podium, mais au podium de 5 ce soir, puisque c'est très rare de voir ce type de podium. Je n'oublie pas également tous les cadeaux que... elles vont recevoir. C'est vrai qu'on va avoir l'occasion d'en parler, mais ça y est, on démarre la promulgation, Lydia. Donc on commence par la quatrième dauphine. Et le micro.
Oui. Ah, pardon, je croyais qu'il allait... Je pensais que tu allais annoncer qui remettait les bouquets. Mais qui remettait les bouquets, bien évidemment. Alors, pour la quatrième dauphine, c'est Nicole Chevrier. La jeune femme qui remporte le titre de quatrième dauphine de cette élection de Miss Valoris Golf Juan 2022. Elle était beaucoup applaudie ce soir. C'était la numéro 5, mademoiselle Océane Castellano. Échange promise par Valeria Pavelin, Miss Côte d'Azur 2021. Interflora, notre partenaire effectivement pour le bouquet de fleurs remis par Nicole Chevrier à Océane Castellano. À présent, la troisième dauphine, c'est Lorraine Vera qui va remettre le bouquet de fleurs. La troisième dauphine au titre de Miss Valoris Golf Juan 2022, portée ce soir le numéro 2, mademoiselle Sarah Holger. Et c'est Eva Navarro qui lui remet l'écharpe de troisième dauphine, Eva Navarro Miss Régionale Provence 2021. Miss Golf Juan Valoris 2021 qui remet le bouquet de fleurs à Sarah. À présent, la deuxième dauphine. La deuxième dauphine va recevoir des cadeaux avec tout d'abord une bouteille de champagne qui est offerte par le supermarché Casino de Juan-les-Pins. Le bouquet de fleurs Interflora, bien évidemment, qui va être remis par Jean-Frédéric, ici présent. Un sac offert par la boutique Elvira de Golf Juan. Un abonnement d'un an à Elite Fitness de Golf Juan. Plus un trophée en cristal offert par l'artisan du cristal à Valoris. Rien que ça, s'il vous plaît. Et cette demoiselle qui va recevoir l'écharpe de Valeria Pavelin, elle portait le numéro. La deuxième dauphine ce soir de cette élection.
de chorégraphie, on peut défier des candidates. Quant aux autres jeunes femmes, pour ma part, je les retrouve dès demain pour débuter cette grande aventure de Miss Côte d'Azur 2022. Peut-être que la future Miss France se trouve ce soir à Valoris. Every day.